Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a fait la peur, on va faire un action vérité. Il n'y a plus de bagarre, c'est bon, on a décidé de profiter des derniers jours qui nous restent ici. Action vérité. Dès qu'on réussit pas un action vérité, gros gage la famille. Comme vous le voyez, on est dans un décor incroyable. La mer, elle est magnifique. Tu laisses action vérité dans le coup. On est avec Yacine d'abord. Ah oui. Salam, j'espère que vous allez bien. Mais l'eau, elle est congelée. Regardez, il a mis quoi? Ouais, parce que tu connais la Raoula, faut cacher la Raoula. Mais l'eau, elle est congelée. Action vérité. Ah, ça commence comme ça. Les gars, je suis un homme. Action. Tu dois rentrer dans la mer. Et je vous promets les gars, l'eau elle est congelée. Ça, c'est en train de toucher mes pieds. Mais vas-y, moi je vais pas perdre. Action, rentrer dans la mer. N'hésite pas à mettre un like, abonne-toi. Eh, je te conseille une de rentrer d'un coup, sinon tu vas mourir. Wow. Et là il va rentrer. Oh, le malade mental. Oh, le malade mental. Alors elle est bonne? Pas bonne. Eh les gars, Yulé, c'est un fou de rentrer dans la piscine. Bon, franchement, dans la piscine, dans la plage. Bon les gars, je serais pas rentré à sa place, hein, vraiment. Mais il dit à skip, elle est bonne. Elle est bonne? Non, elle est pas bonne. Je viens de sauter dans un congélateur. Tu vas me payer toi. Mais lui, c'est un mytho. Vas-y, je suis un mytho. Je suis un mytho. Vas-y, saute. Elle est congelée. Les gars, je suis rentré dans un congélateur avec des glaçons, avec... Je sais pas comment expliquer, mais c'est ultra froid. Franchement, moi je l'aurais pas fait. Personnellement, je l'aurais pas fait parce que là, regardez, ça touche mes pieds. Et je vous promets qu'on dirait, que vous savez, quand tu fais du foot, un bain froid, on dirait un bain froid. Ouais, regardez là-bas. Eh, hey, Yacine, combien d'euros tu fais la banane? Non, la banane, avec Ulysse, on avait juré Wallah qu'on la faisait plus. Regardez dans la mer, j'ai trouvé quoi? Il y a une raie. Ça, en mode, si ça te pique, tu peux aller à l'hôpital, c'est une dinguerie. Ça, c'est une raie, c'est grave dangereux, je crois. Regardez, le mec nageur, il a dû surfer. S'il y a une raie dans l'eau, imaginez les autres poissons que ça va attirer. Il y a 10 minutes, j'ai été sauté dans ça. Ils m'ont envoyé. Myriam, ils m'ont envoyé sauter là-bas, mec, il y a des raies. Tu sais que si ça te pique, tu finis comme ça. Attends, je vais aller voir tout le monde là-dessus, les gars, c'est une dingue. Regardez, il y a quoi? Mais on est au zoo ici. C'est quoi? Ouais. Elle veut ta glace. Je rigole pas avec elle. Tranquille, je sais pas ce qu'elle cherche. Fais bien, genre. Eh, si elle te griffe, oh, tu vas. On s'est sauvé de la plage parce qu'en fait, le poisson venimeux, c'est un truc de fou. Je me suis renseigné. Les raies, elles ont une queue et dans la queue, il y a un poisson venimeux. Un poison, pardon. Du coup, on s'est sauvé. On est parti à la salle faire un peu de sport parce que moi, j'ai pas envie de me faire piquer d'aller à l'hôpital. Donc là, je vous montre ma séance. Je suis en mode football box. Vous allez voir, c'est bizarre. Alors, on commence par des patates. C'est comme ça que tu te bats. On prend la balle. Ok. Et après, pour finir, un peu de freestyle. Oh là 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 là, il est trop chaud. Hey, Yacine, je peux te dire un truc. Préfère 100 milliards de fois être sur la terre que sur la mer. La mer, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. J'y vais plus. Donc me dites pas Younes va à la mer. Il y en a une qui dit Younes va à la mer, je lui fais ça. Putain. A few moments later. Tu sais nager genre sans les lunettes? Bah oui. Quoi? C'est... Oh la mytho les gars, c'est même pas nager sans lunettes. Oh y'a Yacine. Il était où lui? Il était dans sa salle de sport, il m'a dit. J'étais faire du sport, j'ai envie de faire un peu de piscine, elle est froide ou elle est chaude? Eh, touche. Non, arrête. T'as vu, tu commences? Non. Elle est glacée l'eau, wesh. Non, elle est pas glacée, Myriam, mais il abuse. Ouais, il là, il abuse de ouf. Elle est glacée de ouf. Elle est pas glacée, ouais. Touche, regarde. Non, je touche pas. Non. Non, Myriam, fais pas la même erreur que moi. Après, vous allez me pousser, on va encore s'énerver. Mais non, on se pousse pas. On a dit ça, c'est aux vérités. Aujourd'hui, c'est pas prank vérité. Cher. Ah, je rigole même pas avec Myriam, lui. Myriam, je te jure, j'y suis pour rien. Ah, je rigole même pas avec lui là. En plus, j'allais me noyer, j'ai papier ici. Action ou vérité, Myriam? Action. Tu vas devoir te mettre sur les épaules de Younes et faire un double saut dans la piscine. C'est une blague. On va couler. On a un gage si on n'y arrive pas. Oh là là. Écoute-moi bien. Dès qu'on arrive dans l'eau, tu me lâches. Oui. Si tu me tiens pas comme ça, je pourrais pas respirer. Oui. En fait, lui, j'ai compris. Il veut se débarrasser de nous deux, comme ça, il prend tout l'argent pour lui. Arrêtez de parler. Monte sur mon dos. Mais on va glisser, on va glisser. Monte sur mon dos. Allez, monte. Ok. Et maintenant, là, moi, j'ai grave des gâteaux. Vous devez sauter dans le milieu de l'eau maintenant. C'est prêt. Lâche-moi quand on arrive dans l'eau. 3, 2, 1, go. T'es lâché. Mais lâche-moi quand on arrive dans l'eau. T'es lâché. Du coup, ton action est vérité. Là, c'est validé. Là, tu validé. C'est validé. Validé. Incroyable, les gars, on s'en sort très très bien. Je crois pas que c'est fini, hein. Action ou vérité, ça t'arrive pas 50 balles. Oui. Et ouais. Action ou vérité, Younes. Moi, je suis un mec des actions. J'aime bien agir. Va devoir aller sous l'eau tout là-bas et revenir. Donc, en fait, j'ai compris. On était à la mer, il y avait un poisson. Tu m'as pris pour un poisson. Vas-y, go. Ok. C'est parti, j'ai pas le droit de respirer. Non. Allez, c'est parti. Okay. Là, c'est profond ou pas? Non, là, tu vas tuer si tu plonges. Ah, je vais plutôt aller. Ouais, allez, c'est pas grave, je vais me tuer comme ça. Prenez mon argent, je vous le donne. Ok. C'est vraiment pas profond. Ouais, vraiment, voilà. Ok, c'est parti. Là, il doit aller. On va voir s'il prend le jet olympique ou pas. Allez, Younes. Ok, pour l'instant, il tient. Allez, il voit des bulles. Oh, il remonte. Il a plus de force.
Mais tu fais ça avec ses pouces et leur pied. Oh, t-shirt. Tu vas adorer, il a toujours la tête sous l'eau. Est-ce que tu valides? Ouais, je valide. En vrai, il a toujours la tête sous l'eau. Vraiment, je valide. Hop. Arrête. Vous croyez c'est facile, là vous êtes assis sur votre canapé avec votre grec, votre kebab. Viens essayer, au lieu de dire c'est trop facile. J'étais au milieu, j'avais plus d'air, je me suis dit dans ma tête, wallah, soit je reste sous l'eau et je vais rejoindre les étoiles, ou soit je réussis, j'ai réussi. T'avais plus de souffle au milieu? Allez hop. Non, arrête Yacine. Attends, je rigole pas avec toi. Allez, saute. C'est moi le boss ici. Mon maillot, il s'est enlevé. Myriam, action ou vérité? Action. Je vais lancer la bouée dans l'eau, tu vas devoir sauter à l'intérieur de la bouée. Vas-y. T'es prête? Ouais. Attends, vas-y, go, vite. Je peux pas, elle est trop loin. Débalade de côté, débrouille-toi. Je dois sauter. Mais tu dois sauter dedans, mais tu dois sauter dedans, tu te débrouilles. C'est quoi, dépêche-toi, elle va arriver au bord. C'est quoi ce défi de malade? Tu triches, si elle est au bord, non, tu la re-ramènes là ici. Ouais. Ramène là ici, sale grosse triche. C'est pas validé. Elle a voulu tricher. C'était pas ça le défi. Attends, regardez ce que je vais lui faire. Attends. Vas-y, viens, tu vas la refaire. Donc là t'es fier de toi là? Ah oui. C'est n'importe quoi ce que t'as fait. C'est je jette la bouée et après tu sautes direct. T'attends pas qu'elle saute trop facile. Mais c'est impossible aussi après de sauter dedans. Si c'est possible, faut que tu fasses vite. Faut que tu sois rapide Myriam, c'est un défi de rapidité. Si c'est un truc facile, ça sert à rien. Regarde le vent, il l'emmène vers où? T'es prête? Ouais. Faut que tu sois rapide hein, sinon sans balle. Attention. Saute. Oui. Oh, je suis gainé, tu peux pas le faire. J'ai pas d'appui. Yes. Mais s'il te plaît, j'ai la caméra, je te jure, j'ai la caméra. Donne-moi la caméra. Pourquoi je vais t'emmener avec moi? Il a voulu me pousser, ce chien. C'est la dernière fois que tu me pousses. Attends, t'as le temps, tu vas voir, toi, tu vas pas te pousser. Avant la fin de l'action vérité, t'es mort. Écoute bien ce que je vais faire, je vais trouver un action vérité tellement dur. Si tu rates 100€, à tout de suite. Putain, elle est super faim, je vais aller manger. Par contre, il faut qu'on trouve un vrai action vérité pour Yacine, parce que lui, à chaque fois, il essaie que de nous pousser dans la piscine. Par contre, les gars, on en parle que le vélo. Regardez le vélo, comment il est bizarre. En mode, j'ai pas compris. En fait, c'est trop stylé ici, il y a un coffre. Ouais, et genre, mais ça doit être grave lourd. Tu penses? Bah ouais. Ouais, ça doit être trop lourd, les gars, vas-y, laisse tomber, viens. Mange équilibré, toi, ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, les gars, la piscine, ça va donner ultra faim, donc vraiment, venez pour vous. Tu vas prendre quoi pour la piscine là? Il y a des bingers, il y a des pizzas, il y a des potées. Ok, tu vas prendre, tu vas partir sur quoi? Oh, regardez, il y a Younes là-bas. Younes! Ça, c'est quoi ton assiette? Je suis en train de me faire des pâtes, les gars, parce que les pâtes, c'est la vie. On va se faire une assiette? Je suis content, c'est l'heure de manger. Enfin! Arrête! Regardez, il y a des pizzas derrière. Est-ce qu'on se ferait pas un petit action ou vérité tout de suite? Action ou vérité, Myriam? Vérité. Ok, cite-moi ton moment le plus gênant à l'école. Bah en fait, genre, j'étais en train de passer dans une poésie, genre, je la connaissais. Et genre, tu vois, quand il y a tout le monde qui te regarde comme ça, genre, fais vite, genre, parce que nous aussi, on veut passer. Et bah genre, c'est grave gênant, genre, ça veut dire que j'avais oublié carrément la poésie. Oh, la vieille vérité. Du coup, tu pars sur quoi, Myriam? Des pizzas? Ouais, j'ai pris cette pizza. C'est quoi la meilleure pizza au monde? Celle-là. Margherita, merci. Là, on va prendre des potatoes et des frites. Potatoes et frites? S'il y a du poisson, il y a du pain, je vais faire un pilau frites. Ok, donc là, petit frites. Alors là, les frites, c'est vraiment des frites huileuses hein, pour le coup. Je sais même pas prendre des frites normalement, moi. Tu sais que ça, c'est des cordons bleus, ça. Ouais. Bon, là, manger. Voilà, bonne portion de frites. Ouais, il y a des lasagnes aux légumes, tu veux pas goûter? Prends-en un peu pour tester. Je suis sûr que c'est grave bon, des lasagnes aux légumes. Il n'y a pas de viande ou quoi? Non, regarde, lasagne aux légumes. Ah, c'est vegan la mère qui est vegan. Ouais. Je suis sûr que tu vas kiffer. J'arrive pas à les... Voilà, impeccable. Voilà, t'es une bonne assiette là. Et là, on va prendre la sauce. C'est quoi la meilleure sauce au monde? C'est le ketchup. Une blague là. La mayonnaise? Oui. Mais c'est grave. Mais t'avais fait une assiette de pâtes, c'est pas fini. Mais c'est un buffet à volonté. Les gars, on a grave des boissons, on va faire un franc à Younes. On va lui faire un mélange de toutes les boissons, je vais lui faire croire que c'est une boisson. Là, on a du Fanta citron, du Fanta orange, du Sprite, du Coca-Cola zéro, du Coca-Cola original. On va prendre du Sprite orange, voilà, du Sprite jaune. On va faire un mélange de Sprite. Bon, là, tiens, là, ça va assez orange. Oh, on peut croire que c'est du blanc. Enfin, c'est le moment de manger, les gars. Mon moment préféré dans la vidéo, c'est une dinguerie. Yeah, Yuri, je t'ai ramené de l'orangina. Oh, merci, les gars, elle m'a ramené de l'orangina pour une fois qu'elle est gentille dans la vidéo. Donc, les gars, ici, c'est pas halal. Donc, regardez, à la place de la viande, je me suis pris grave des œufs. Eh, regardez, je regarde, je prends un dessert. C'est une dinguerie. Elle a pris des pizzas, je vais goûter des pâtes. J'ai pris de la lasagne aux légumes. Non, mais ça, c'est à moi. C'est à moi. Mais non, c'est à moi. T'as pas les ciseaux. Attends, va goûter les pâtes. Moi, je vais goûter la Il n'y a que les pâtes qui sont bonnes. Les pâtes, c'est super bon à chaque fois. Ouais, elle est incroyable. Moi, j'aime pas les aiguilles. À la base, moi, j'aime pas les légumes, mais la lasagne, elle est super bonne. C'est carré. On va se rafraîchir un peu avec la boisson. Merci, elle est bonne. Wesh. Vous faites quoi là? Quoi?
Hey, quand j'ai pris un vélo, vous avez pris des vélos. Bah ouais, logique. Mais vous êtes des malades mentales. On a fait comme toi. Mais toi, il est mieux que le mien. Déjà, vous avez pris ma carte bleue l'autre fois. Eh, regarde, j'ai trouvé quoi. C'est quoi ça? Un truc pour faire du quad. Vous êtes toujours fait du quad. Mais vous êtes des... Mais qui vous quad. A C'est monsieur là-bas qui vous a donné le vélo comme moi. Ouais. Tu l'as payé cher? Comme toi. Avec, t'as pris ta carte par contre cette fois-ci. Oui. Moi, j'ai payé 10 euros. T'as pas pris ma carte bleue? Non. Ok, les gars, action ou vérité? Action. Yacine va devoir faire du vélo à une main, puis sans, avec zéro main. Il lâche le volant et il roule. S'il est pas bon, il ramène la monnaie. Et je vais m'acheter une moto cette fois-ci. Alors à une main, ça devrait être carré, mais à zéro main, j'ai jamais fait de ma vie. Oh, le menteur, quand t'étais petit, je te jure, j'ai jamais fait de ma vie une aise. Zéro main, c'est compliqué. Même les athlètes, ils arrivent pas. J'ai bien la casse parce que, tu vois, moi, je suis déjà tombé en vélo et ça veut dire que si je tombe en vélo, c'est une dingue. Une main c'était easy, une main c'était le level 1. Maintenant on passe au level tête brûlée. Mission. Sans les mains il a réussi. Je suis un boss ou pas? Mais t'as vraiment pas réussi longtemps par contre hein. Ouais parce qu'en fait j'avais peur de tomber, après t'as vu il fait chaud, des brûlures ici, du coup j'avais peur. Faut pas en vouloir à Yacine Skien, à part le foot il sait rien faire dans sa vie, donc je vais lui valider le défi. On va passer à Myriam. Ouais. Tu vas devoir monter un trottoir et slalomer entre les arbres. Blague. Si tu y arrives pas, je prends ton vélo, je vais le reposer là-bas au monsieur, c'est-à-dire que t'as pas le droit de faire du vélo. C'est une blague là, mais comment je vais slalomer sur un trottoir? Il y a une route fait pour les vélos. Le trottoir il est proche de l'arbre, du coup si tu fais une fausse manipulation, tu fonces dans l'arbre. Bah, c'est logique. Attention, elle monte bien sur le trottoir. Le demi-tour, tour bien joué. On slalome, on descend. Allez, on remonte, on met un gros coup, on remonte. Voilà, on re-slalome, carré, et là on descend sans tomber. Parfait les amis. Regardez son vélo, hein. C'est pour ça qu'elle a réussi. Oh, elle a la dalle. Regarde derrière la voiture qu'il y a. Oh, trop bien, on peut louer ça Younes. Je sais pas, faudrait demander si on a le droit d'en faire. Ok. Waouh. C'est des voitures de golf, mais tu peux pas en louer ici parce que je ne sais jamais. Action vois... vérité, tu dois lui mettre une vitesse. Tu dois lui mettre une vitesse Yacine. Tu dois le dépasser. Allez, à l'accélération de Yacine. Va-t-il dépasser le vélo? La voiture elle va trop vite. Oh là 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 là, le crack, il a pas réussi. Il a pas trop réussi en fait. Il l'a dépassé, c'est parce que s'il l'aurait pas tourné, il l'aurait pas dépassé. Ah, il a eu trop peur, il s'est arrêté. Ah, le coup, j'ai gagné. Ce gros tricheur, il prend son casque de vélo pour jouer. Il veut pas assumer que c'est moi le plus fort de la famille. Regardez comment je vais l'exterminer. Voiture qui veut passer. Du coup, ça fait un zéro pour moi. Aïe. Ma tête, elle résonne. Ça fait pac. Je suis la psychiatrie. Ouais, j'ai perdu, hein. C'est parce que tout le monde sait que je suis le plus fort de la famille. Younes, action ou vérité? Action! Tu vas devoir slalomer tout autour de l'herbe, dans les arbres et les lampadaires. Si t'arrives pas, t'arrêtes le foot. J'arrête le foot si t'arrêtes le foot si t'arrives pas. Ok, 1000 essais. Non, un essai. Il va réussir, je crois. Non. Il va y faire. Oh, il va la faire tomber. Ah là, ce côté-là, il a l'air que je vais pas voir. Mais non, il a pas le faire. Oh, il l'a fait tomber. Yeah! J'ai slalomé tous les poteaux, j'arrête pas le foot. On va rentrer dans un grand centre commercial. Franchement, on va voir si en Espagne, ils ont des meilleurs centres commerciaux qu'en France. En tout cas, l'action vérité, il continue. Action vérité, tu m'achètes tout ce que je veux? Non, mais si j'ai même pas répondu, frère. Et moi, j'aime trop aller dans chaque pays et tester les nouvelles boissons. Tu vois, ici, il y a Fanta et tout, on connaît. Mais là, je vais tester celle-là, là. Clipper, je sais pas, elle coûte combien? 90 centimes. Je sais pas si elle est bonne. On va tester ça, les amis, parce que là, j'ai vraiment trop faim. Et ça, c'est sûr, c'est trop bon, Younes. C'est quoi, mini? Oh là là, hey, Yacine, action vérité. Vérité. Pourquoi pas une action? Parce que là on est dans un magasin, je suis pas serein là. Ok, raconte-moi un moment grave gênant avec un abonné. Oh, ok, je vais vous raconter. C'est quand on avait organisé un court-métrage avec plein d'abonnés, on avait des airsoft, on allait faire un court-métrage guerre de gang, ça allait être incroyable. Et là il y a la police qui débarque et nous arrête tous, on est tous partis au commissariat, on était trop gênés avec Younes parce qu'on avait embarqué des abonnés avec nous alors qu'on avait rien fait de mal. La dame elle m'a parlé grave vite, j'ai eu grave peur, j'ai dit aussi, non, vous voulez un sac? Non. Il parle trop vite les espagnols. On va voir si c'est bon les gars, c'est une boisson action. Je vous montre comment elle est la couleur, si vous voulez. Ça sent grave fort. Je sais pas quoi. Ça sent le chewing-gum à la fraise. Ah, c'est dégueulasse. Ça a de la fraise avec un goût chimique, avec un sucre chimique. Je comprends pourquoi ça coûte 1 euro. Clipper. 3 sur 10. Et c'est le commerce en espace, c'est une dinguerie. Il y a un clan bowling là juste derrière. C'est comme si en mode on a à Auchan, il y a un clan bowling. C'est incroyable. Attendez, je rêve ou pas, les gars? Regardez, il y a vraiment du bowling. Oui, c'est trop bien. T'as vu tous ces moments où ta mère. Tous ces moments où ta mère elle vient, fait grave des courses, tu dis maman, je vais faire un bowling. Oh, j'avoue, ça doit être incroyable. Là, il y a des jeux pour enfants là. C'est trop bien. Mais les Espagnols, ils sont trop dans le turfu, les gars. Oh la chance. Moi, maman, si elle me ramenait là, j'aurais dit maman, je vais faire un bowling, va faire tes courses. C'est ouf. Non, mais les gars, c'est trop le turfu, je suis jaloux. Ils ont même des billards et des jeux, les frères. Mais moi, j'aurais envie d'aller faire les courses tous les jours, c'est une dinguerie. Là-bas, on vient avoir la vue. Oh lolo, on peut pas sortir. Ah, on peut pas sortir. Si, là-bas, on peut sortir. Je sais pas, ça se trouve, les gars, pourquoi on regarde la vue? Ça se trouve, on va regarder des scooters, des motos à louer, il peut y avoir des trucs de ouf. Y'a quoi ici?
Ah, c'est les bateaux comme dans GTA. Il y a des bateaux de malade sur GTA, je crois. C'est les bateaux de là-bas, regarde. Là-bas, c'est une. Comment on appelle ça? Un port. Mais non, un port, c'est du port. Moi, je crois que c'est Action ou vérité? Action. Tu dois me citer 10 pays. Ok, la France, l'Afghanistan, l'Espagne, l'Angleterre, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Gabon. C'est et bon, l'Égypte, c'est bon, c'est ça bon. Fait 10. Wesh, comment t'arrives à réfléchir comme ça, faire du vélo et t'es une dinguerie toi? Je sais pas, facilement, je suis plus intelligent de la famille, logique. Les gars, on entraîne tout l'Espagne. Jet ski là-bas. Ouais, là-bas, il est en train de faire du jet ski avec notre vélo. Et Myriam, elle est où? Myriam, ah, on l'a oublié. Elle est pas venue. Oh, il y a une salle de sport. Incroyable. Tourne à gauche, tourne à gauche. Ouais, fais bizarre, ça glisse. Ok, moi je suis à une main. Wow, ça glisse de malade les gars. Parce que moi, si tu tombes là, t'es KO. Regardez les gars, la meilleure salle du sport au monde. Et tu vois la mer. C'est incroyable. Wow. Après le vélo, on est parti dans le jacuzzi. J'ai le jacuzzi pour moi tout seul. Oh là 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 là. Je suis bien. Ah, c'est incroyable les gars. Wow. Oh là 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 là. Action ou vérité? Eh là, gars, je vais dire vérité, j'ai la flemme de me lever. Dis-nous la vérité. Quel est ton salaire sur YouTube? Ouais, je m'étais sérieux, Yacine. En vrai, c'est pas question de cacher ou quoi. Le salaire sur YouTube, il est de 1300 euros. Moi, je gagne le SMIC, les gars. Oh, mais c'est vrai, c'est le SMIC. Moi, je gagne 1300 euros. Non, en vrai, de vrai, il a raison. Parce qu'en mode, les impôts, ils te prennent quasiment tout. C'est-à-dire, l'argent que YouTube, ça génère, il ne prend que 1300 euros. En vrai, c'est vrai. Et bien sûr, sur les 1300 euros, il y a 1200,99€ qui vont dans la boue. Parce que c'est un gros. Bouillonner ce pigeon nous a ramené, il y a un terrain de tennis là. Et là regardez surtout il y a un terrain de foot. Il y a des gens, vous savez ce moment là où t'arrives en vacances, il y a un terrain de foot et il y a des gens toi tu veux jouer, c'est un moment grave gênant. On va voir si les Espagnols ils sont forts au foot. Le terrain il est incroyable, c'est un synthétique de petite taille. Vas-y on va regarder s'ils sont forts. Ok, le plus grand en rose. C'est le plus grand. Ok. Déjà ils font pas de passe déjà, hein. c'est dur. Hein. Regarde ses pieds, ok. Wesh là, il a laissé reprendre la balle. Attention, tout seul. Est-ce qu'il va marquer? C'est vrai. Mais par contre, faire un 2 contre 2 dans le grand terrain, c'est dur quand même. Oh, salut Myriam, c'est ça que tu fais? Depuis tout à l'heure, vous étiez où? Je vais vous chercher. On était à la bibliothèque. On était au jacuzzi. C'est lui qui était au jacuzzi. Mais c'est interdit pour les enfants. Ouais, désolé, tu pouvais pas venir. Blague, c'est une blague. Désolé. Moi, je suis venu grave fort au goal. Ah ouais? Je peux te mettre des frappes? Vas-y. Oh, je vais lui mettre que des buts. Vas-y, c'est parti. J'ai un truc à faire. Ouais. Commence proche, à chaque fois que tu marques, tu recules. Si t'arrives là et tu marques, t'as gagné. Okay. Myriam, les cages, elles sont pas un peu trop grandes pour toi? Je suis pas parti au jacuzzi sans vous. T'es parti au jacuzzi. Désolé, c'est... d'avance, hein, désolé. Hein. Ah ouais? Désolé. J'ai jamais vu un goal comme ça. C'est ça, t'es devenu forte au goal. Attends, t'inquiète. C'était la première fois, pas plus. J'ai le soleil dans les yeux, mais juste pas le droit au pétard. Juste... Ah, gars. Mais t'es un malade mental. Celle-là, si elle est bien placée, elle va pas la chercher. Sors des buts. Comment elle court? Sors des buts, vite. Je vais essayer de mettre la barre. Confirmé, t'es nul au goal, c'est confirmé. C'est une blague. Il va mettre la barre de là. Oh, il faut manger plus de mafé. Regardez, ce nulaire, il a couru, il croit vraiment il va la mettre. Il passe le. Oh, 1v1. Ok, qui est le plus fort? Ok, attention, Myriam défend. Reste sur les appuis, Myriam. Oh, bien joué. Ah, vas-y. Oh, le coup physique. Tu mets la barre, tu fais un tour de terrain. Un tour de terrain si tu mets la barre. Tu vas courir comme ça. Courez, bande de nulos. Ouais, les gars, c'est ça d'être le boss de la famille. Tu fais courir les plus petits. Un petit peu plus d'accélération, s'il vous plaît. On accélère un peu plus. Allez, toi, tu continues. J'aime bien. Bon, c'est bon, j'aime bien. Ne me provoque plus. Sinon, tu vas faire des pompes la prochaine fois. Tu fais quoi avec mon doigt? Il y a Call of Duty qui va sortir. J'ai besoin de mon doigt pour les joysticks. J'ai besoin de mon doigt pour la play. J'ai besoin de mon doigt pour faire comme ça et éteindre les gens. L'hiver, il arrive, faut jouer à la play, faut garder ses doigts en bonne santé. Les gars, le soir, ça fait pas grand peur en vrai. Non, le soir, ça fait pas peur du tout. Là, il y a un billard. On est le soir, c'est éclairé. Ramène les cannes, on va se régler. On va voir qui est plus fort de la famille. Viens, on va en VSA. Vas-y, moi je prends la. Non, c'est la paye. Ok, moi je prends elle. Quoi? Paye. Comment ça paye? Bah paye, moi je vais pas payer. Ah bah on joue pas alors, moi je paye pas. Hein. Du coup, pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd il paye. Pierre, feuille, ciseaux. Tu payes. Mais c'est même pas joué, regarde comment elle joue. C'est une blague. Vas-y, montre à tout le monde comment tu joues. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oh là là. Attends. Je suis sûr qu'on la laisse pendant 2 jours ici, elle finit pas le billard. Les gars, en fait, du premier coup, genre tu peux pas, il sert toujours quelques coups. Il faut tenir comme ça, regarde le pro, t'es prêt? Ouais. Ok, t'as vu le pro ou pas? Moi j'ai réussi à taper dans la balle. Arrête de rigoler. Elle est trop nulle. Oh. Voilà. Ah, vous êtes là. Vous voulez pas on va à la piscine? On joue au billard nous, il est minuit là, il fait nuit. On va pas aller à la piscine à minuit frère. Mais c'est ma partie. Non, on va montrer. Vas-y, je peux commencer. Non, c'est moi, c'est à moi de commencer ça. Elle est belle, celle-là est pour vous. Eh oui. Dans tous les domaines, je suis le meilleur. On arrive à la fin de la journée, il fait déjà nuit, c'était une journée incroyable.
Mais croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Dealer Myriam. On va vous faire un action ou vérité. Vous aussi, vous devez jouer chez vous. Jouer le jeu action ou vérité, les abonnés. Si c'est action, vous devez mettre un like et vous abonner si c'est une vérité, Myriam Dealer. Vous devez dire le pire moment qui s'est passé dans votre vie. En commentaire, je compte sur vous. Non, on vous laisse là. Ciao.